Pronto, começamos. Bonsoir, bienvenue à la fête de la musique. Ce soir, nous avons notre troisième et dernière activité de la fête de la musique 2021. Je suis professeur Claudia Giraud à la Casa de Cultura Francesa. Nous sommes en compagnie de la professeure Tiziana Mello du département de lettres étrangères à l'UFC et du professeur Robson de Oliveira, coordinateur à la Casa de Cultura Francesa. Nous allons donc présenter la table ronde chanter, rimer, apprécier chansons et chansonnettes. Initialement, nous remercions vivement la présence des deux professeurs. Bonsoir, professeur Tiziana. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, professeur Robson. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous voulez dire quelques mots comme coordinateur de la Casa de Cultura Francesa? Ah oui, j'aimerais bien, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais remercier et féliciter à tous ceux et celles qui ont participé à la présentation d'hier, qui était très joyeuse, très spontanée. Enfin, c'était superbe. À tous ceux, celles et ceux qui ont participé à cette présentation, j'aimerais aussi remercier à celles et ceux qui ont présenté ce matin. C'était une table ronde émouvante, c'est le cas de le dire. Et bien sûr, j'aimerais remercier aux collègues de la Maison de Culture et notamment à ma collègue Claudia qui est là ce soir. Je tiens vraiment à te remercier pour de cet engagement incroyable dans ce projet qui est Franco-Culture. Et ici, c'est un axe de ce projet qui est la fête de la musique. Et c'est vraiment, en tant que coordinateur, je ne peux que saluer cette initiative. Déjà en tant que professeur, j'ai beaucoup de plaisir à y participer. Et voilà, je trouve que c'est super. Je remercie, je ne peux que remercier finalement. Et espérer que l'année prochaine, on puisse se retrouver et qu'on puisse faire cette fête en présentiel et qu'on puisse faire une belle fête, fêter la musique, fêter la vie, et voilà, c'est ce que je souhaite pour l'année prochaine. Et il faut toujours rappeler que cet effort, qui est un effort quand même important de la part de ceux qui organisent cette fête, notamment, je rappelle, Claudia, c'est pour les élèves, c'est pour les apprenants, c'est pour pour celles et ceux qui aiment la culture française francophone. Et ça, c'est très important. C'est pour vous qu'on fait cet effort. Et ça, c'est très important de rappeler. C'est un plaisir d'être là avec Claudia, avec Tiziana, ma collègue, ma chère collègue aussi. Et voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci, professeur Robson. Donc, avant de passer la parole à nos deux intervenants, justement, je vais parler un peu très rapidement de l'histoire de la fête de la musique dans le cadre du projet d'extension Francoculture. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que vous verrez en quelques minutes. Ça marche? Oui, ça va. Et vous? Voilà, donc la fête de la musique 2021, c'est notre deuxième édition en ligne, c'est-à-dire à distance, bien sûr. Tout le monde est au courant de notre situation sanitaire, n'est-ce pas, au Brésil. Alors, donc, ce projet qui nous est très cher, hein, à Tiziane aussi, hein, évidemment, à Robinson, à la professeure Caroline Alves, qui n'est pas là ce soir avec nous ici, mais de l'autre côté, je suis sûre qu'elle y est. Alors, donc, ce projet est né en 2016 et comme Robson a dit déjà, hein, c'est un projet
pensé, réalisé, fait avec beaucoup d'amour pour les étudiants, hein, surtout les étudiants de langue française à la Casa de Cultura Francesa, au département de lettres étrangères, hein, au cours de lettres français à l'UFC, nos chers collègues à l'US aussi. Donc, c'est ouvert à toute la communauté. Quand nous avons idéalisé ce projet, le but principal était de sortir de la salle de classe, hein, sortir et se rencontrer, hein, faire circuler les connaissances, la culture française, la langue française, surtout à par ceux qui font l'apprentissage du français. Donc, les professeurs et étudiants à Fortaleza principalement. Alors, pendant ces temps de pandémie avec la technologie, hein, nous sommes encore plus proches, n'est-ce pas? Nous avons vu ce matin des participants de la table ronde, hein, qui étaient à Sobral. Donc voilà, c'est ça. Là, nous avons quelques moments, hein, ce projet. Quelques étudiantes qui étaient boursières du projet, ici en bas, nous avons Raquel Santos, c'était la première boursière, hein, de ce projet d'extension. Donc, nous avons Tiziane tout en bas, n'est-ce pas, à côté de Marc Ellul, coordinateur à l'Alliance française Fortaleza. Alors, donc voilà, là, je suis allée très loin. Hein. Donc, voilà l'invitation pour l'ouverture de la première fête de la musique en 2017. Ah, donc, nous avons fait une petite cérémonie à la salle Interarte, hein, du Centre d'Humanidade, CH1. Donc, c'était le 21 juin. L'ouverture a eu lieu à 9 heures du matin. Alors là, nous avons l'affiche, hein, très artisanale, hein, vous voyez. Et la photo, là, nous avons professeur Marcia Gradivol, à l'époque coordinatrice, hein, coordinadora geral das Casas de Cultura Estrangeira. Aujourd'hui, elle est, hein, de nouveau notre coordinatrice, Danielle Nilin, à l'époque directrice du Centre d'Humanité, et la professeure Virginie Gripon, coordinatrice de la Casa de Cultura Francesa. Et nous avons aussi Ada Priscilla, à l'époque elle était secrétaire de la coordination générale. Voilà l'ouverture de la fête de la musique. Et nous avons eu une table ronde aussi après l'ouverture des travaux. Donc nous avons là, c'est moi, la professeure Patrice Isabel, et la professeure Maria Erilan. Et vous avez au fond, là, la photo des deux anciennes, stagiaires, hein, de la Casa de Cultura Francesa. Elles étaient venues du Québec pour faire leur stage avec nous, Violaine et Roxane. Hein. Voilà la chorale Alouette. Donc, nous ont chanté, je pense que je veux, hein, de Zaz à l'époque. Voilà. Après, toute la journée, nous avons eu, hein, d'autres activités. Donc là, nous avons des activités réalisées l'après-midi dans le hall, hein, de la Casa de Cultura Francesa. Là, nous avons, hein, des flautistes qui nous ont joué des très belles pièces. Et puis, un karaoké, animé par la professeure Carolina Alves à la salle 14, hein, de la Casa de Cultura Francesa. Alors, et après, à partir de 18h, nous avons eu, hein, un concert. Voilà, bonne époque, hein? Belle époque là où nous, hein, pourrions être ensemble, n'est-ce pas? Voilà, donc vous aurez là, vous avez d'autres photos, des éditions diverses, hein, de la fête de la musique. Voilà des participants. Là, c'était l'année du jubilé d'or de la Casa de Cultura Francesa en 2018. Et voilà d'autres affiches de la fête. Ah, voilà, donc 2018, 2019, 2020
Et aujourd'hui, voilà. Ah, donc, l'activité cette année hein, a commencé hier. Nous avons eu, donc, sur la chaîne YouTube, hein, nous avons une série de 32 vidéos avec des chansons et des petits mots à propos des interprètes et compositeurs français. Ce matin, nous avons eu la première table ronde de Versailles à Sobral, fête de la musique. Et voilà, maintenant, je passe la parole à la professeure, pardon, au professeur Robson de Oliveira, qui va nous présenter son travail. Juste une minute. Voilà. Donc, on s'amuse avec les rimes. Professeur Robson de Oliveira. Voilà, marche, voilà, Rob, voilà. Marche, oui, vous m'entendez bien? Formidable. Je ne vois pas la présentation là pour le moment. Oups, je vois. Ah, voilà. Ok, parfait. Donc, vous m'entendez bien, tout va bien. Donc, on y va. Hop, je reviens. Alors, le titre de la présentation est donc « On joue avec les rimes ». Et ce que je vous propose, je sais qu'il y a des élèves de notre premier semestre, donc du niveau A1, je vais essayer de parler doucement et il n'y a pas de problème si vous qui êtes au premier semestre ne comprenez pas tout, parce que le but de cette présentation, de cette table ronde en quelque sorte, pour vous, c'est aussi de, en quelque sorte, vous encourager, de, en quelque sorte, vous faire découvrir une partie de la culture francophone et le goût de la musique, le goût donc du partage de la culture. Et moi, pour cette présentation, ce que je veux, c'est partager un peu de musique, de chansons, mais moi, personnellement, là, je vais surtout parler de rimes. C'est pourquoi je mis comme titre de présentation « On joue avec les rimes ». C'est-à-dire, une chose qui est très intéressante pour nous, étrangers, qui apprenons une langue étrangère, là, ici, en l'occurrence, on parle du français, mais ce qui est très très intéressant, c'est justement de jouer avec les mots, de commencer à jouer avec des mots, de découvrir les mots, comment les mots ils sont différents de notre langue, parce qu'on ne peut pas oublier que quand on étudie une langue étrangère, on découvre l'autre. C'est un principe d'altérité important. On découvre l'autre en tant qu'être humain, mais on découvre aussi l'autre en tant que langue, en tant que culture, en tant qu'un ensemble, un univers qui est nouveau. Et donc là, pour parler de la langue, il y a donc un ensemble de mots qui nous sont étrangers tout d'abord, et que moi personnellement je m'amuse énormément à voir cette différence par rapport au portugais, comment les rimes en français elles sont surprenantes parfois pour un brésilien par exemple. Donc j'ai mis là par exemple, donc c'est-à-dire qu'il y a un lien très fort entre musique, poésie, chanson, et c'est pourquoi j'ai mis ici ce petit extrait d'un poème retiré de ce blog « Rimes et musique » qui dit « La poésie a ses rimes, la musique ses accords, la poésie a ses rythmes, il y a un S de trop, la poésie a ses rythmes, la musique aussi, musique et poésie sont sœurs dans la vie. » Et donc, voilà, c'est-à-dire que on ne peut pas forcément parler de apprendre une langue par la musique, par la chanson, même s'il y en a qui le font. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est attirer l'attention
sur cet aspect de la rime, du jeu de mots, du jeu de sons, la langue qui est aussi cette découverte de sons et la musique avec les rythmes, la chanson avec son rythme, avec ses accords. Ce n'est pas par hasard si l'être humain aime beaucoup la musique, la chanson, c'est parce que ce rythme, il est très important, il nous berce comme un enfant et bien sûr qu'il est intéressant d'intérioriser le son avec les mots, c'est intérioriser le son avec les mots, c'est quelque chose de passionnant et ce n'est pas un hasard si c'est normalement plus facile d'intérioriser ces sons, d'intérioriser ces mots, d'intérioriser quelques structures avec le son, avec la mélodie, avec la musique. Et ici, j'ai mis juste quelques exemples de rimes surprenantes pour les apprenants. Je commence à rimer, vous voyez. Donc, quelques rimes, par exemple, cœur, liqueur. Vous voyez, l'écriture, bien sûr, il y a la terminaison, mais cœur, liqueur, cœur, joker, odeur, vous voyez. Donc ici vous avez permanent, émanant, diamant, testament, cette nasale qui nous pose tant de problèmes et qui ici a des terminaisons différentes, ENT et ANT, mais qui se prononcent de la même manière et donc dont la, quand on écoute, on a l'impression que c'est la même écriture. Donc c'est-à-dire une rime assez surprenante pour nous. Hein. Nous, on est, quand on étudie, quand on approfondit, on trouve ça extrêmement normal. Mais pour les débutants, c'est assez étonnant. Et je pense que pour tout le monde, c'est étonnant, mais on oublie que c'est étonnant, finalement. Vous voyez, soleil, oreille, merveille, vous voyez, bœuf, bluff, neuf, veuf. Vous voyez, tous ces sons qui n'existent pas en portugais. Vous voyez? Donc, ne, je, ce son qui est complètement hallucinant pour nous, les Brésiliens, les étrangers. Ne, je, Dieu, feu, que, enfin, j'en passe. Vous voyez? Juste pour attirer, déjà, pour entrer en matière, le son, cette... c'est jeu avec les sons. Mais je commence avec un exemple ici. Je ne sais pas si il est possible, si la visualisation elle est bien. Je ne sais pas si on pourrait avoir un retour, mais j'ai l'impression qu'il est possible de visualiser. Hein? Oui, vous pensez que ça va là, le texte? Oui, ça va. J'ai l'impression que ça peut marcher. Hein? Donc là, c'est juste. Ce n'est pas forcément, j'attire l'attention sur le rime de cette chanson de « Comment te dire adieu » de Françoise Hardy. Et ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une rime assez, assez curieuse. Parce que sous aucun prétexte, je ne veux avoir des réflexes. C'est une rime, à mon avis, assez difficile, qui crée même des jeux de mots. Et au lieu de vous lire, je vais vous mettre la chanson. J'espère que vous pouvez écouter. Ça marche, Claudia? Ça marche? Magnifique ça!
C'est magnifique, vous voyez. À la fin, c'est déjà magnifique. Mais vous voyez, donc, sous aucun prétexte, avoir des réflexes, il faut que tu m'expliques un peu mieux. Et donc, vous voyez, explique de silex, pyrex, perplexe. C'est assez. Et après, je sais bien qu'un ex, amour, n'a pas de chance aussi peu, mais pour moi, un ex, ce n'est pas un ex-amour, une explication vaudrait mieux. Et il y a une autre rime, c'est intéressante pour nous, brésiliens, qui a cette rime avec E, ce son E, hein, un son assez important, et j'attire l'attention pour les élèves du premier semestre qui sont là. Vous voyez, je ne veux, malheureux, un peu mieux, hein, adieu, feu, vous voyez, c'est une écriture différente et c'est le même son, vous voyez, et ça c'est intéressant, vous voyez, et ici la même chose, peu, il vaudrait mieux. Ok, ça va? Donc, ça c'était une entrée en matière avec cet exemple, et je passe à ici. Donc, ici, c'est un peu plus petit là. Je passe à un exemple plus contemporain avec cette chanteuse Angèle que tout le monde connaît, bien sûr. Tout le monde adore et c'est normal. Et il y a cette chanson qui s'appelle, dont le titre est La Thune. La Thune qui veut dire l'argent. Hein, l'argent, donc dans l'argot. Et là, elle mélange justement des rimes plus simples, ce n'est pas aussi compliqué comme l'autre de Françoise Hardy, mais là, la rime est simple, mais elle dit beaucoup de choses dans cette chanson-là, comme par exemple le culte de l'argent, mais en même temps, l'idée d'être esclave des réseaux sociaux, par exemple. Mais je ne veux pas parler du sens de la chanson. Je vous laisse entendre, écouter chez vous et peut-être voir le vocabulaire. Ce qui m'intéresse, c'est le son, là, hein, en ce moment précis. Donc, tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Vous voyez, cette rime assez simple qui est en ER. Bandé, que ça veut dire s'exciter, et bien sûr, elle joue avec le sens de l'excitation avec l'argent et le côté masculin de l'argent aussi. C'est intéressant, ben, cette chanteuse qui a un engagement féministe assez intéressant. Donc, ça la fait bander, et seulement ça, ça les fait bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Voilà. Si c'est même pas pour leur montrer. Si je veux attirer l'attention sur cette rime entre bander, bouger, obliger, vous voyez, il n'y a pas le R, il y a un accent. Cependant, la rime se produit. Bouger, obliger, montrer, vous voyez, avec les verbes du premier groupe et aussi avec ce participe, obligé. La rime se fait tranquillement et une rime assez jolie, aussi jolie qu'étonnante pour nous Brésiliens, entre ver et ser, c'est-à-dire entre le non-ver et le verbe servir. Bouger leur cul étant d'un ver, sinon au fond à quoi ça sert, vous voyez? Ça m'interpelle énormément et je pense que vous entendez les chiens qui sont là derrière moi. Donc, et puis, à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Et là, on peut imaginer que ça pourrait être rime. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Bien sûr qu'ici, ce sont deux nasales différentes, il n'y a pas de rime. Cependant, ici, il y a écran qui va rimer avec... Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Donc, ces trois mots-là qui font une rime, et ça, c'est intéressant. OK? Et là, elle va terminer avec des rimes en ER, encore une fois. Des rimes, je répète, assez simples. Hein? Peut-être je devais m'éloigner, loin du game,
game qui va faire justement une rime étonnante avec fame ici, les anglicismes. Vous voyez, loin du danger, mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout, je m'en vais. Là, c'est très intéressant parce qu'elle va forcer justement la prononciation de je m'en vais pour rimer avec parler. C'est-à-dire qu'elle va fermer le AIS pour que ça rime avec parler. Et je m'en vais marcher, naïve comme jamais. Elle va fermer jamais aussi pour que ça rime. Mais à la fin, bien sûr, loin de regard, amer. Ici, c'est impossible de faire la rime, même avec beaucoup de gymnastique. Je vous mets la chanson, c'est mieux que moi. Faites attention, justement. Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? Tellement c'est derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, où j'oublie tout et je m'en vais. Yeah, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? Voyez que je chante là, hein? C'est très bien de chanter, les amis, les chansons, parce que on fait un exercice, une gymnastique très importante pour notre appareil phonétique. Et j'aime bien chanter les chansons. Vous voyez, c'est très bien quand vous serez chez vous, vous mettez les chansons et vous chantez. Voilà, très à l'aise. Voilà, c'est très très bien. Donc voilà, ça c'était la thune avec Angèle. Ouais, c'est bien. Et je passe. Collier. Hop, maintenant je reviens. Vous voyez que je fais ici maintenant, je fais un petit tour et je reviens un peu en arrière. Je commençais avec Françoise Hardy, plus classique maintenant. Après, je parlais d'une chanteuse contemporaine belge, Angèle. Maintenant, je reviens un peu au classique avec Charles Trenet pour travailler encore un peu là, cette chanson que j'ai l'impression que tout le monde connaît, qui est Douce France. C'est un autre style. Donc, il revient à ma mémoire de souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Vous voyez, mémoire noire, mémoire et prête. Lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école, écolier avec familier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole. Vieille chanson d'autrefois. Vous voyez, cette rime entre école, parole, ça va, même s'il y a le S qu'on ne prononce pas. Mais cette rime entre voix et autrefois, ça peut paraître étonnant. Je répète, ce n'est pas étonnant pour ceux qui sont au troisième, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième semestre, parce qu'on oublie cette étrangeté, cette surprise, parce qu'on heureusement s'habitue. Mais j'aimerais juste rappeler cette beauté quand même, hein, de ce contraste avec notre langue, vous voyez. Donc, douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, et vous voyez cette nasale qui vient, France, mon enfance, tendre insouciance,
Je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge, vous voyez, ont partagé mon bonheur. Le bonheur qui rime avec le cœur, vous voyez. Oui, je t'aime, je te donne ce poème. Cette rime, elle est étonnante et jolie, hein? Je t'aime ce poème. Vous voyez, oui, je t'aime dans la joie et la douleur. Vous voyez, cœur, bonheur, douleur. Ces trois mots qui riment et qui ont un sens. Hein? Le cœur, le bonheur, la douleur qui normalement viennent ensemble. Et on écoute peut-être un extrait. Hein? Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Voilà, voilà, voilà. Donc, voyez, Tiziana, oui, Tiziana, oui, tout à fait. Hein? Donc, voilà, douce France, cette rime, France, enfance, insouciance. Vous voyez que les rimes, elles ne sont pas par hasard non plus. Vous voyez, la France qui rime avec un pays de son enfance, de tendre insouciance. Vous voyez, c'est avec le cœur après. Ça, c'est très, très intéressant. Et donc, je passe maintenant, parce que je vous répète, je continue à parler des rimes, hein. Je ne veux pas forcément parler du sens des chansons. Je voulais apprécier avec vous le sens, attirer votre attention justement à la rime. Et là, on arrive à un chanteur que j'aime beaucoup, qui est Bourvil, qui est acteur, qui est mort malheureusement, mais qui a fait cette chanson, La Tendresse, qui est très très belle. Angèle d'ailleurs, qui reprend cette chanson, qui fait un cover de Bourvil, et qui chante cette chanson aussi, où il dit, c'est une très belle chanson, très simple, mais très belle. Il dit, on peut vivre sans richesse. Et vous voyez déjà la rime entre tendresse, la tendresse qui peut être carinho, amour, tout ce qui est bien dans l'être humain. Et en ce moment qu'on traverse au Brésil, parler de tendresse, c'est magnifique, vous voyez. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, sans argent, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire. Vous voyez? Donc, tendresse, richesse, princesse. Ok? Après, gloire, histoire. Après, il revient à la tendresse. Il n'en est pas question. Je fais très court là. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Et voilà donc la tendresse qui rime avec la richesse, vous voyez, qui rime avec les princesses qui n'existent plus, qui rime
Donc la gloire, l'histoire, enfin. Voilà. Donc, je passe maintenant, hop, peut-être à un plus contemporain, qui est La Terre est ronde d'Orelsan. C'est un autre style complètement différent. Et cette fois-ci, je vais passer d'abord la chanson et après, je commente les rimes. OK? Je suis pas feignant, mais j'ai la flemme et ça va... Attendez, parce que c'est un peu le rap d'Orelsan. Hop. Hop, voilà, je peux. Je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Je suis pas feignant, mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. Je veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je fais juste ce que je veux quand même. Voilà, Orelsan, qui est un chanteur de rap très, très connu en France, qui a un style très intéressant, une certaine mélancolie de cette société capitaliste où on vit, et c'est très intéressant, là, justement, où il dit, au fond, je crois que la terre est ronde, ronde, et qui va rimer avec le monde. La terre est ronde et monde. Vous voyez? Et après, pour une seule bonne raison, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Raison, maison, ronde, monde. Et après, il va commencer sa critique. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Donc, la rime avec, on revient à cette rime en ER. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Vous voyez? Tu vois le genre de cercle vicieux. Là, on change de rime. Donc, tu viens d'acheter, tu vois le genre de cercle vicieux qui va rimer après, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf mourir vieux, vicieux, qui va rimer avec vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Donc l'infini avec ici. Et ici, on va voir une rime assez intéressante. Je suis pas fainéant, paresseux. Mais j'ai la flemme, et ça, j'ai la flemme, la paresse, et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine. La flemme, la semaine, et je veux profiter des gens que j'aime. Bien sûr, ici, il veut faire une rime, mais ça ne marche pas parce que semaine, c'est avec un ne, et ici, c'est j'aime. Mais ici, vous voyez, je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. Cette rime-là qui est vraiment étonnante. Avant que le temps me prenne et m'emmène, vous voyez? Voilà. Et j'ai des trucs sur le feu, je ferai juste ce que je veux. Le feu, ce que je veux. Et voilà, Orelsan, pour la terre est ronde. Claudia, j'ai encore quelques minutes. Claudia. Ben, je continue alors. Hein? Alors, voilà, la terre est ronde d'Orelsan. Ah, voilà, merci. Donc, la terre est ronde d'Orelsan. Et après, j'aimerais justement, ici, c'est très petit, hein, je suis désolé là, très petit avec la bohème. Je termine avec la bohème. Pourquoi? Parce que simplement, la bohème... C'est très difficile de lire, hein, parce que la bohème, cette chanson, elle a beaucoup, beaucoup de rimes, vous voyez, et de rimes diverses. C'est ce qu'on appelle en français, Aznavour était un chanteur à parole.
Il faisait des chansons à parole. Ce n'était pas des chansons à rythme, forcément, des chansons à parole. Normalement, ces chansons ont une charge, ont des paroles qui ont beaucoup de sens. Et là, la bohème, qui est un classique, je vais terminer avec un classique. Je demande tous les respects des jeunes pour cette chanson et pour ce classique qui est Charles Aznavour. Donc, vous voyez, je vous parle d'un temps que le moins des 20 ans, ici, déjà il commence déjà avec une rime. Vous voyez, où on a A-N-S. Et E-M-P-S, temps, 20 ans, vous voyez, avec des mots différents, on arrive au même son. Je vous parle d'un temps où le moins des 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, accrocher ces lilas, vous voyez, ce temps-là, accrocher ces lilas, le ton là avec Célie là, jusqu'au sous nos fenêtres, fenêtres qui rime avec connaître. Vous voyez, fenêtre qui rime avec connaître et en même temps avec Montmartre, si on veut aller très loin. Ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là, accrocher Célie là, jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servent de nid. Vous voyez, cette rime avec I. En I, elle est intéressante aussi parce que ni se termine par D, mais on ne prononce pas, et donc on peut rimer avec garni. Et ce humble garni qui nous servent des nids, vous voyez que je ne travaille pas le vocabulaire, hein, ce n'est pas le but là. Ne payez pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, toi qui criais famine, mine, famine, et moi qui, et toi qui posais nu, qui rime avec connu, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Nous ne mangions qu'un jour sur deux et un jour sur deux qui rime avec heureux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns. Très important cette nasale-là, vous voyez, ça rime. Hein? C'est I-N-S, U-N-S, mais ça rime. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, miséreux et creux, c'est incroyable. Nous ne cessions d'y croire. La gloire rimait dans l'autre chanson avec histoire. Ici, la gloire rime avec le verbe croire. Et contre quelques bistrots, contre un bon repas chaud. Vous voyez, cette rime bistrot et chaud. Vous voyez, le O qui a la même, qui rime avec A, avec la syllabe AU. Bistrot et O. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle. Toile, telle, peinture, qui rime avec poêle. En oubliant l'hiver, nous récitions des vers, en oubliant l'hiver. Ok? La bohème, ça voulait dire « tu es jolie ». Jolie qui rime avec nous avions tous du génie. Vous voyez, souvent il m'arrivait devant mon chevalet, il m'arrivait et chevalet, le verbe qui a une terminaison différente, mais qui rime avec chevalet. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer de nuit blanche, retouchant un dessin de la ligne d'un sein. Vous voyez, dessin, design, qui rime avec Saint Seyou, retouchant le dessin de la ligne d'un saint, mais ça se termine par I-N, et ici c'est E-I-N, c'est le même son, ok? C'est ça un peu le but de la présentation, c'est attirer l'attention sur justement ces terminaisons qui sont différentes, mais qui ont un même son, et voilà pourquoi on peut le mettre en rime. Retouchant un dessin de la ligne d'un saint, du galbe, d'une hanche, et ce n'est que matin. Qu'on s'asseyait enfin devant ton café crème, épuisé, mais ravi. Fallait-il que l'on sème? Vous voyez, café crème qui rime avec le verbe sème. Voilà, cette chanson, c'est celle que j'ai pu choisir, où il y a le plus de rimes avec des mots qui ont des terminaisons différentes, mais qui ont le même son. Voilà pourquoi j'ai voulu terminer avec cette chanson-là. Ok? Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie qui rime avec ravi. Ok?
Voilà. J'ai l'impression, je vais, j'ai l'impression que je vais terminer comme ça. Je vais peut-être vous mettre la chanson. Chantez chez vous, chantez comme ça, la bohème. C'est voilà, c'est un temps qui est fini hein, en France et c'est un temps dont on a besoin en quelque sorte. Vous voyez, quant au hasard de jour, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. Vous voyez, voilà, on ne reconnaît plus rien. Voilà, Montmartre semble mort. Pardon, dans ce nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. Décor est mort. Donc, le nouveau décor de Montmartre qui est mort. Voilà, un peu de nostalgie. Et donc, allez. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Ça voulait dire, on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Voilà, les enfants, je vous laisse donc écouter chez vous, tout seul. Ou pas forcément tout seul, mais appréciez ces rimes, ces chansons chez vous, justement, et je vous rappelle que c'est très très bien, salutaire et magnifique d'apprendre la langue avec la musique, avec la chanson, quand on chante, parce que pour parler une langue étrangère, il ne faut jamais avoir honte. Et justement, chanter, même quand on n'a pas forcément une belle voix, c'est une manière de sortir de cette répression que nous-mêmes nous imposons et de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à une autre culture, de s'ouvrir tout simplement. Et c'est le message que je veux laisser ce soir. Merci de m'avoir écouté et vive la musique, vive la maison de culture, vive la langue française, vive la francophonie. Et vive le professeur Robson d'Oliveira, hein? C'est ça, hein? Ah, c'est très bien, il ne parle pas, vous voyez, il le chante, hein? Voilà, hein? Avec tellement de passion. Merci beaucoup, Robson, merci beaucoup. Alors, on te demande, hein, quand tu auras un petit temps, on te demande de partager la liste des chansons que tu as Ben présentées. oui. OK, donc tu mets dans le chat Ah oui, les je noms le des fais, oui, tout chansons. à fait, oui. Oui, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Alors, je signale la présence de quelques partenaires hein, anciens, hein, anciennes de notre projet Francoculture hein, depuis 2017. Taisnara Matos, bonsoir, Taisnara. Beatriz Barbosa, Bruna Vasconcelos, Maquesson Jean, bonsoir. C'est bien de vous voir ici avec nous. Hein? Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons passer à la présentation de la professeure Tiziana Mello. Elle est professeure au département de lettres étrangères à l'UFC et également présidente de l'Association des professeurs de français du Ceará. Je profite pour signaler aussi la présence de deux autres membres du bureau. Jacqueline Freitas, hein, c'est la vice-présidente de notre association, et Luciana Rodrigues. Bonsoir. Alors, Tiziana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous écoute.
Bon, bonsoir à tous, bonsoir Claudia, bonsoir Robson. Avant de commencer, je tiens à remercier Claudia et toute la Casa de Cultura qui nous font vivre cette ambiance de la fête de la musique, et ça depuis déjà 5 ans. Hein? C'est déjà pas mal. Alors, il est important, comme nous a dit Robson, d'être solidaire, d'être à côté de ceux qu'on aime, et l'art, la musique font tourner ensemble, hein, de cette ambiance positive qu'on doit garder. Je profite pour embrasser Robson et lui dire bravo pour sa présentation. Hein. C'était super. On a fait un univers des chansons des chanteurs d'époque. Hein. C'était très bien. Je remercie Mathéus qui est là dans la technique. Hein, et je dis bonjour à tous ceux et celles qui participent avec nous. D'accord, bon, comme d'habitude, comme depuis qu'on est à la maison, hein, la phrase est « je vais partager avec vous mon écran hein. ». Donc, je vous ai préparé des diapositives hein, et j'espère qu'on pourra le lire, qu'on pourra bien partager cette soirée. Vous les voyez? C'est la deuxième question. Je n'entends rien. Je peux supposer que tout va bien. Hein? La troisième question que je pose souvent, c'est vous m'entendez? Mais là aussi, je crois que vous m'entendez. Hein? Donc, voilà. Hein? Alors, pour commencer, voici le plan de ma présentation. Je vais discuter avec vous la définition et le choix du thème. Donc, j'ai discuté avec Claudia comment nommer ma présentation. Alors, on a choisi, je vais parler des chansonnettes. Même si ce mot n'est pas très précis, même s'il peut regrouper toute une sorte de production musicale. Hein? Alors, ensuite, évidemment, je vais vous présenter la chansonnette, l'analyser assez rapidement et vous suggérer d'autres parcours. Hein. Voilà. Alors, on commence par la définition. Et j'ai l'habitude de définir plutôt par opposition que par définition proprement dit. Alors, on dit que les chansonnettes sont de petites chansons sans prétention. Donc, on les oppose aux chansons à paroles dont Robson vient de parler. Hein? Les grands paroliers, les chansons sérieuses, les chansons à texte. Hein? Ça fait partie d'une catégorie hein, dont Aznavour, par exemple, fait partie. Donc, ce n'est pas le cas hein, de la chanson que j'ai choisie. Donc, on l'oppose à ce type de chansons qu'on appelle en français des chansons à paroles. Et évidemment, on ne les attribue pas à des paroliers, donc à des auteurs fameux et connus. Si on clique là-dessus, ça va ouvrir une page Wikipédia avec une liste alphabétique des grands paroliers français. Hein. Ce n'est pas le cas, je vais pas l'ouvrir, mais c'est juste pour vous dire qu'ils prennent tellement au sérieux cette question de chansons à paroles hein, qu'on a une liste, évidemment non exhaustive, hein, avec des paroliers, hein, des paroliers depuis des années, les plus célèbres. Ok? Alors, ce n'est pas ça. Hein. Donc, ma chanson à moi, elle n'est pas de ce type-là. Hein. Alors là, c'était les groupes les plus larges. Si on réduit un petit peu, on peut
avoir les sous-groupes des chansons populaires. D'accord? Là, une autre fois, la définition, elle se fait par opposition. Hein? Donc, on l'oppose à la musique savante, à la musique à texte, à la musique qui édifie, à la musique qui a un message social ou politique ou pédagogique. Ce n'est pas le cas. Hein? Donc, les chansons populaires ont ce terme, et ce terme est souvent utilisé comme un comparatif, mais un comparatif négatif, hein, qui oppose la musique populaire, celle qui est du peuple, celle qui est des gens dans la rue, des gens qui travaillent, des travailleurs, des enfants, des écoliers et tout, hein, aux chansons des intellectuels. Et normalement, on dit que c'est un produit commercial, sans trop de valeur, et on montre davantage ses faiblesses esthétiques. Donc, vous voyez, il y a une sorte d'un préjugé, hein, d'un préjugé de classe, d'un préjugé social qu'on a. Excusez-moi, je suis... qu'on a dans cette définition. Hein. Les chansons populaires sont souvent associées aux chorales, aux orphéons, aux goguettes, aux vendeurs de musique, une profession qui n'existe plus, mais les gens qui colportaient des partitions, hein, dans les rues pour les vendre, pour que tout le monde puisse participer. J'arrive plus à avoir la présentation des diapositives plus grandes. Je ne sais pas quelle est la bêtise que j'ai faite. J'ai perdu la souris. Bon, je vais rester comme ça. Donc, on parle d'une chanson populaire quand on pense à une certaine époque sociale et quand on l'oppose aux chansons intellectuelles. D'accord. Si on réduit encore un petit peu, hein, et là, en fait, c'est une grande réduction, hein, des chansonnettes et des chansons populaires, on a le groupe des chansons paillardes. Hein, paillardes, gaillardes ou grivoises. Alors là, c'est un groupe de chansons qui a des caractéristiques propres. Hein. Donc, c'est toujours populaire, il y a une tradition, donc ça passe des générations, ça passe des années et des années, mais le texte est capable de nous présenter des paroles osées. Hein? On a de l'audace, hein? Et même un caractère sexuel, sensuel. Donc, on peut dire qu'elle est licencieuse, qu'elle est transgressive à une certaine morale, à la morale de l'époque. Certaines de ces créations sont notamment du 19e et du début du 20e. Donc, on pense au phénomène de l'urbanisation, hein, où les villes ont grandi, on avait des populations différentes et qui ne communiquaient pas souvent. Hein. Donc, les chansons d'une catégorie faisaient partie de ce groupe. OK? Alors, ces chansons sont souvent appelées des chansons cochonnes. Alors, vous voyez, ça commence réellement à aggraver la situation. Hein. Donc, ce sont des chansons qui sont licencieuses, qui ont un vocabulaire qui n'est pas très sage. Donc, le vocabulaire des chansons que Robson nous a présenté, c'est un vocabulaire, même si c'est un rap, même si c'est une chanson de contestation, ce ne sont pas des chansons licencieuses, hein, pour ainsi dire. Les chansons paillardes, non, elles ont ce caractère, hein, et c'est intéressant qu'elles ont un caractère ou un but qui est celui d'être chantées en groupe,
Donc, on imagine une chanson capable de faire bouger un groupe, de solliciter de ce groupe qu'il bouge, qu'il chante, qu'il tape des mains. Donc, on imagine un groupe, et ce groupe, très souvent, a déjà un peu bu, ou même beaucoup bu. Hein. C'est un groupe qui est là et qui boit, qui est très arrosé, hein, qui passe la soirée à faire de la fête, quoi, à fêter. Donc, on a un très vaste répertoire. Et ces chansons, elles bravent les interdits. Hein. Justement, c'est pour contester une certaine morale. Hein. C'est pour remettre en question certains tabous. Et elles le font avec humour. D'accord? Évidemment, vous imaginez, surtout au 19e siècle, il y avait une certaine censure, même si ce n'était pas une censure de l'État, mais bon, il y a une censure qui est une censure sociale. Et donc, pour contourner cette censure, parfois, on ne dit pas ce qu'on voulait dire, mais on a les sous-entendus. Donc, ça peut être la rime. Donc, on ne dit pas, mais on fait on utilise un mot qui ne rime pas. Mais si on utilisait le mot qu'on voulait, on aurait la rime, par exemple. Donc, on peut jouer avec la rime. On peut même avoir des mots non prononcés, des blancs dans la chanson. Justement pour éviter cette censure ou ce regard de censure qu'on pourrait avoir. D'accord? Voilà, pour ma première partie qui était celle de la définition ou des définitions. D'accord? On est parti d'un mot très, très idyllique qui était celui des chansons nettes. Ah, et on a réduit jusqu'à arriver aux chansons paillardes. Hein? Les adjectifs, vous savez, il y en a quelques-uns qui, au lieu d'ajouter, ils enlèvent. Hein? Donc, l'adjectif populaire, souvent, est un adjectif qui retire, qui enlève quelque chose. Donc, c'est le cas de chansons populaires, par exemple. On dit qu'au Québec, pour éviter toute cette discussion, on dit que ce sont des chansons folkloriques et un point c'est tout pour ne pas entrer dans ces définitions qui sont un peu négatives. Hein. Voilà pour mes définitions. Et maintenant, j'ai la responsabilité d'expliquer mon choix. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce type de chansons, hein? Normalement, les professeurs sont sages. Hein? Ils ne vont pas présenter ces sujets, ce type de chansons. Hein? Et absolument, c'est mon cas. Hein? Normalement, je ne bois même pas. Hein? Je vous ai apporté une chanson à boire, une chanson qui motive les gens. Et moi-même, je ne bois pas. Bon, mais ce n'est pas le cas. Alors, normalement, c'est parce que là, je parle réellement aux apprenants de français qui sont là. Si vous feuilletez vos manuels, vos livres d'apprentissage de français, ils ont quelques pages qui représente des chanteurs et la chanson francophone. Ça, c'est vrai. Mais ces pages, elles présentent à peu près le même schéma, le même panorama. Ça peut être des chansons dites enfantines, comme les comptines. Alors, on peut avoir Alouette, Au clair de la lune, Frère et Jacques.
soit on a une autre façon de présenter les chansons, en présentant justement les monstres sacrés, hein, les paroliers, les chansons à tube des années 60, 70, hein, donc, dont Charles Trenet, hein, avec Douce France ou La Boum ou Aznavour. Enfin, ça, c'est une deuxième façon de mettre l'apprenant en contact avec, avec la production musicale. Et une autre façon, c'est de présenter l'actualité. Hein? Donc, selon les bouquins, donc ça peut être les niveaux 2 ou 3 du bouquin, hein? Donc pour les B1 ou les B2, ou les B2, on peut avoir des pages consacrées à la chanson, à la musique, qui nous mettent des textes d'actualité, comme Angèle, que Robson nous a présenté, comme Stromae, comme Un grand corps malade. Donc, il est très rare que les chansons folkloriques fassent partie d'une... en fait, d'une page des manuels. On apprend autrement. On apprend grâce à des amis, grâce à d'autres types de découvertes. Moi, quand je faisais ma recherche, je suis tombée sur la chanson que je vais vous présenter, interprétée par un Américain. C'est adorable parce qu'il a fait le rythme du country. Il avait une guitare et le rythme est absolument américain. Et dans la présentation de sa performance, il a dit « Ah, j'ai appris cette chanson il y a très longtemps. C'est mon professeur qui m'a présenté. » Et le premier commentaire était « Mais c'est en France qu'on présente ce type de chansons hein? ?» Donc, c'était un peu scandaleux hein, qu'on dise que le professeur a enseigné, parce que ce n'est pas l'habitude. Donc, j'ai choisi une catégorie de chansons qui n'est pas très habituelle, d'accord? Donc, j'espère que mon choix soit compris ou même pardonné, si c'est le cas. Hein? Alors... voici le titre de la chanson, donc « Chevalier de la table ronde ». Alors, certains parmi vous connaissent les légendes autour des chevaliers de la table ronde. Des hommes, des braves hommes, des hommes guerriers qui étaient à côté de leur roi, hein, qui partaient pour faire compagnie, pour défendre le roi, qui avaient des missions, même des missions religieuses, hein, comme la quête du Saint Graal. Donc, c'est ça la représentation qu'on a des chevaliers de la table ronde, d'accord, des hommes de valeur, hein, des hommes choisis par le roi, pour les plus grandes conquêtes, d'accord? Alors, comment la chanson populaire, comment la chanson grivoise a pris ce mythe, parce que c'est un mythe, c'est une légende, hein? Comment la chanson populaire, cette chanson paillarde, a pris ce mythe, un mythe tellement édifiant, un mythe tellement pédagogique, un mythe qui construit même la notion qu'on a de l'histoire de France. Comment cette chanson a pris ce mythe et a fabriqué une chanson à boire? Quel est le pas? Comment s'est-il produit? Alors, je vous laisse imaginer quels sont les caractères de ces chevaliers qui peuvent être mis en question. C'est la valeur.
la chanson populaire va dire qu'ils ne sont pas loyaux, qu'ils ne sont pas courageux. C'est ça. Hein? Alors, à quel trait de caractère cette chanson à boire, cette chanson qui est là pour motiver les gens à participer, à chanter, à crier, à s'amuser, à taper des mains. Alors, par quel caractère hein, on va critiquer ou on va dire « Ah, oh, ces chevaliers de la table ronde, ils sont humains comme nous. Hein, ils ont des défauts. Ils ont des choses banales. » Ok, je vous laisse deviner tout en passant pardonnez-moi, tout en passant par ah si j'ai pas ma souris je... Oh, voilà, je suis capable de non je voulais ouvrir le lien mais j'ai perdu ma souris Voilà, je pense que ouais, ça va aller, heureusement. Hein? Alors, on va écouter la chanson. Chevalier de la table ronde, peut-on voir si le vin est bon? Chevalier de la table ronde, peut-on voir si le vin est bon? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit des chevaliers de la table ronde? On dit que ce sont des gens qui boivent et qui boivent beaucoup. Hein? Donc, c'est une chanson à boire qui va nous présenter un groupe qui lui-même, il boit beaucoup. D'accord? Bon, j'ai cherché les paroles, les textes. Évidemment, comme toute chanson populaire, il y a des strophes qui sont plus ou moins connues. Selon les versions, on chante une strophe, on ne chante pas l'autre. Donc, j'ai essayé de trouver le maximum de strophes. Hein. Mais ce n'est pas toujours qu'on chante en entier. D'accord? Alors, voilà le texte. C'est à peu près le texte qu'on a écouté. Hein.
Alors, chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Alors, on répète, goûtons voir, oui, oui, oui. Alors, vous voyez, dans cette occasion, qu'on répète, qu'on dit des phrases courtes, des mots simples, c'est comme une invitation à l'improvisation. Hein? Alors, venez chanter avec nous. Hein? Donc, c'est une chanson à boire parce que c'est facile à répéter, c'est facile à attirer les autres pour chanter ensemble. Hein? Et elle a toujours la même structure. Hein? Alors, goûtons voir si le vin est bon. S'il est bon, s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur mes genoux. Alors, vous voyez, là, ça commence à être osé, à être licencieux. Donc, on a une femme sur les genoux, ça veut dire on a une femme avec qui on a une certaine intimité. Les chevaliers de la table ronde, ils boivent, ils ont la compagnie des femmes le soir ou même la nuit. Alors, ça continue jusqu'à ce, disons, là, on a un certain apogée d'une confusion. Mais voici qu'on frappe à ma porte, je crois bien que c'est le mari. Donc, la femme était mariée. Hein? Et si c'est le mari, que le diable l'emporte, car il vient troubler mon plaisir. Donc, c'est le plaisir avant tout. C'est comme si les groupes des braves chevaliers étaient là pour le plaisir. Alors, à un certain moment, si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin. Alors, l'intéressant, c'est qu'on fait une hypothèse, si je meurs. Ce n'est pas quand je meurs, comme si les chevaliers de la table ronde étaient des immortels, comme s'ils pouvaient faire tout et n'importe quoi sans conséquence. Alors, on a « si je meurs, je veux qu'on m'enterre dans une cave où il y a du bon vin ». Et à partir de là, on va avoir les prescriptions pour les funérailles, Alors, une chanson qui veut être gaie, tout le monde participe, tout le monde tape des mains, mais à la fin, on a une prescription pour l'enterrement, pour les funérailles du chevalier. Alors, il sera enterré dans une cave, les deux pieds contre la muraille et la tête sous les robinets, justement pour qu'il continue à boire. Et mes os, de cette manière, resteront imbibés de vin. Ok, tranquille, on continue à boire même si on est mort. Et pour l'enterrement, ce sont les 4 plus grands ivrognes, donc 4 chevaliers, mais 4 des chevaliers, on va choisir les plus grands ivrognes, donc ceux qui boivent le plus, ce sont eux qui porteront les quatre coins du drap. C'est un enterrement populaire, on n'a pas de cercueil, il va être enterré dans un drap, très, très, très humblement, d'une façon très populaire. Et qu'est-ce qu'on va inscrire? Quelle est l'inscription qu'on aura sur sa pierre tombale? Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas la date de naissance, ce n'est pas la date dans laquelle il est mort, mais ce n'est pas le fait qu'il ait été un chevalier, mais ici gît les rois des buveurs. C'est l'inscription qu'il veut avoir sur sa tombe. Alors, ici gît les rois des buveurs. Et finalement, ils ont décidé de donner une morale à cette chanson, à cette histoire. Si on peut parler de morale. Mais la morale de cette histoire est qu'il faut boire avant de mourir. Alors, c'est un peu le carpe diem. Profiter de la vie. Donc, il faut boire avant de mourir. Alors, vous imaginez que cette... c'est une chanson qui a passé
des années, on continue à la chanter, ce qui fait de cette chanson en fait une chanson traditionnelle, justement parce qu'elle n'a pas trop vieilli. Hein. Alors, si on prend... Oh. Alors, la structure de la chanson permet justement... est propice à ce qu'on puisse la mémoriser, à ce qu'on puisse chanter, et partager et s'amuser. Donc, c'est toujours la même structure. Donc, je vous ai dit, on répète toujours le même modèle. À chaque strophe a un seul modèle et on le fait répéter. Hein. Les deux premiers vers se répètent. Et puis, les trois ou les quatre premières syllabes du vers sont suivies de oui, oui, de non, non, non. Ce qui appelle la participation de tout le monde. On reprend le second vers et on passe aux strophes suivantes. D'accord? J'ai toujours un problème avec mon... Voilà. Voilà hein, pour la chanson assez rapidement. Alors, je vous indique... si vous mettez là sur YouTube, hein, vous allez trouver pas mal des performances, hein, des performances familiales. Hein, donc, une famille qui s'amuse à chanter cette chanson. Et ce qui est là sur votre droite, hein, on a un groupe canadien hein, qui s'appelle Les Rats des Swamps. Hein, qui chante la chanson, cette chanson populaire, mais qui la chante avec un rythme très, très moderne. Donc, ce qui démontre l'actualité de cette chanson, hein, comme un patrimoine culturel. On la chante, j'ai vu là sur Internet, on la chante en France, au Canada, en Belgique. Donc, c'est une chanson qui est francophone. Ok, bon, là, on parle du vin, hein, on parle de boissons alcooliques, et ça me fait penser, bon, ça me fait, pour ne pas terminer dans cette question d'une domination éthylique, hein, je suis allée chercher l'interprétation d'un poème de Baudelaire. Et le titre du poème est « Enivrez-vous, embriagaïvos ». Ce poème, il a été traduit en portugais. Hein. Et là, on a Reggiani qui... Je ne sais pas si je vais arriver à... Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon souris, mais bon, je n'arrive pas. J'aimerais bien vous passer à son interprétation, mais je crois que je ne suis pas capable hein, de faire... non, de faire... J'essaie de toute façon, vous m'excusez, je ne suis pas capable. Toutefois les poèmes sont là, je les transcris et il faut être toujours ivre. Tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie, de vertu à votre guise. Donc, je vous laisse avec ce vers. Hein? Alors, de vin, mais aussi de poésie, mais aussi de vertu à votre guise. Donc, on vit dans un temps, dans une époque assez difficile, il est vrai. Donc, on peut retrouver notre courage hein,
dans la vertu, dans la poésie. À la fin du poème, on répète « de vin, de poésie ou de vertu à votre guise », ça veut dire selon votre choix. Et Reggiani, quand il, à la fin du poème, il ajoute un mot, il dit « d'amour ». Alors il dit « de vin, de poésie, d'amour ou de vertu ». Alors si on se fait accompagner de ces principes, hein, donc de poésie, de vertu, d'amour, hein, on s'en sortira de cette situation dans laquelle on est. Bon, la toute dernière diapositive, c'était un merci, mais je ne vais pas arriver à la mettre. Je vais demander à Mathéus de supprimer tout. C'est terminé. Hein? Je suis désolée des petits soucis techniques. Ah oui, mais nous comprenons, hein? Ne vous inquiétez pas. Alors, ça marche maintenant, Tiziana? Oui, mais je ne suis pas capable de revenir. Donc, il faut que Mathéus... qu'il arrête ta présentation, le partage de ton écran. Oui, oui, moi, alors, je suis... Mathéus? Congelé, là. Ah, j'arriverai. Você pode fechar a tela da Tiziana? Compartilhamento, voilà, merci beaucoup, Mathéus. Donc, c'est normal, hein, des problèmes techniques, hein, nous vivons depuis un an, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup. Hein. Alors, on termine par ce conseil de Tiziana, enivrez-vous, hein. Chantez, comme a dit Robson, chantez. Faites de la musique, écoutez de la musique, hein, c'est ça. Hein. C'est vrai que nous vivons un moment, une situation bien difficile, donc la musique nous aide hein, à retrouver le bonheur, le sourire, enfin. Hein. Alors, donc, je remercie beaucoup aux professeurs Tiziana Mello et Robson de Oliveira. Je vous invite, je vais partager très rapidement mon écran. Donc, je vous invite à toutes et tous à visiter, à s'inscrire hein, sur notre chaîne YouTube. Vous la voyez? Oui. Voilà. Donc, vous avez hein, toutes les vidéos. En fait, il y en a 32 hein, dans la liste de reproduction Fête de la musique 2021. Donc, vous allez trouver des interprétations magnifiques des professeurs, des étudiants, hein, anciens étudiants aussi, hein, et même des amis, des partenaires hein, de la fête de la musique. Donc, il y en a, hein, vous trouverez, il y en a Françoise Hardy, Edith Piaf, Jacques Brel, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, Claude François et bien sûr hein, de la musique française contemporaine, hein, Angèle, Stromae, Frérot de la Vega, Damien Saez, Louane et Mera. Donc, vous avez les listes des reproductions de cette année et aussi de l'année dernière. Là, c'est moi, hein, j'arrive pas à fermer là. Alors, vous avez aussi un hein, voilà notre table ronde, ok, celle du matin, j'y étais, mais je suis perdue, elle est quelque part, ok, donc je vous invite à venir hein, dans notre chaîne YouTube, inscrivez-vous, laissez votre like, et voilà, vous voulez dire quelques mots, Robson et Tiziana? Moi, j'aimerais juste encore remercier
Ben, je suis très content de voir là sur le chat qu'il y a beaucoup de collègues, beaucoup d'élèves, beaucoup de gens qui ont même étudié lettres, qui ont été élèves de Tiziana. Pardon Tiziana, mais il faut rappeler qu'on a été des élèves à toi. Oui, donc, oui. Et je vois c'est qu'il y a vrai. Des collègues, il y a Myrna, Luciana, enfin, il y en a d'autres. Ben, j'aimerais juste remercier, je trouve que c'est magnifique. Il y a Jacqueline qui demande, on ne va pas chanter. C'est bizarre de chanter comme ça, mais j'ai l'impression que l'année prochaine, l'année prochaine, j'espère qu'on pourra, si tout se passe plus ou moins bien, être vacciné pour qu'on puisse chanter tous ensemble. Et chanter là, chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. S'il est bon et s'il est agréable, j'en boirai jusqu'à mon plaisir. Et on va s'enivrer de poésie, d'amour, mais aussi d'un peu de vin, pourquoi pas. Juste un petit peu, avec modération. Et j'espère que l'année prochaine, la fête sera encore plus joyeuse, avec plus de joie, un peu plus de joie, un peu plus d'optimisme. Et je remercie, je te salue, Claudia, encore une fois, pour cet effort important, essentiel, génial. Bravo. Merci Tissi aussi. Oh, merci et à on vous. S'embrasse. Voilà. Oui, on s'embrasse. De loin. Oui. Moi, j'ai aucun problème avec mon âge, au contraire. Hein. Quand je vous vois, quand je vois mes étudiants, hein, je suis tellement contente que ça ne me gêne pas du tout. Hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. Je remercie également. Hein. Je vois que c'est un projet qui a une longue vie. Hein. Ça représente déjà dans les calendriers des étudiants, hein, une motivation. Hein. Pendant que Robson présentait son sujet, je pensais à des affirmations. Hein. On dit qu'on apprend à danser avant d'avoir appris à marcher. Hein, tu dois te souvenir de ton petit Robson. Hein. Les bébés commencent à bouger, à se balancer sous un son avant de marcher. Hein. Et on dit aussi que le bébé apprenne à chanter avant d'avoir appris à parler. Hein. Donc, ce n'est pas par hasard. Hein. Donc, profitons de cette capacité, de cet art qu'on a, hein, de chanter, de danser, hein, que c'est inné, c'est quelque chose qu'on est avec, hein, et ça fait partie de notre sociabilité, hein, de notre vie sociale, qui nous manque beaucoup, c'est vrai, on a tous un manque d'une vie sociale, hein, mais on attend qu'on puisse se retrouver dans les meilleures conditions. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est là le message. Hein. On se retrouve l'année prochaine. Soyons nombreux et nombreuses à faire de la musique, à écouter de la musique, à chanter, à s'embrasser. Hein. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre attention, de votre participation, de vos commentaires. Hein, Myrna. Voilà, hein, notre collègue Robinson. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mathéos. Merci, Mathéos. Merci. Muito obrigado, viu? Au revoir. Sempre au revoir. Gentil.